Ravi de vous retrouver. Les méditations de gratitude peuvent avoir un impact fort sur tous les aspects de nos vies en nous rendant plus heureux, plus reconnaissants et plus compatissants. Il n'est donc pas surprenant que cela puisse renforcer nos relations et les rendre plus satisfaisantes. Utiliser une affirmation de gratitude pour vos proches peut vous rendre plus reconnaissant et vous aide donc à renforcer vos relations. Essayons cela dans la séance d'aujourd'hui avec l'affirmation « J'ai de la chance d'avoir mes proches et je m'efforce de montrer ma gratitude jour après jour ». Vous pouvez légèrement modifier le mantra avec le nom d'une personne en particulier si vous le souhaitez. Fermez les yeux, asseyez-vous confortablement et respirez profondément. Maintenant, commençons à utiliser l'affirmation. Vous pouvez la répéter à voix haute ou dans votre tête. J'ai de la chance d'avoir mes proches et je m'efforce de montrer ma gratitude jour après jour. Continuez simplement de répéter l'affirmation. J'ai de la chance d'avoir mes proches et je m'efforce de montrer ma gratitude jour après jour. Si des pensées viennent vous distraire, prenez un instant pour observer la pensée sans la juger ou l'analyser, puis revenez à l'affirmation. J'ai de la chance d'avoir mes proches et je m'efforce de montrer ma gratitude jour après jour. Continuez de répéter l'affirmation. Tout comme normalement on utilise le souffle pour maintenir notre concentration, utilisez l'affirmation de la même manière, pour vous ancrer dans l'instant présent.
J'ai de la chance d'avoir mes proches et je m'efforce de montrer ma gratitude jour après jour. Continuez de faire bien attention à chaque mot en les répétant. Pas d'inquiétude si votre esprit s'égare, revenez simplement à l'affirmation. La séance d'aujourd'hui est presque terminée. Pour le temps qui reste, essayez de maintenir une conscience sans effort de toutes les sensations.
Comment vous êtes-vous senti pendant cette séance? Si vous voulez, vous pouvez faire des tests avec différentes affirmations pour trouver celle qui résonne personnellement en vous. À bientôt !